comprendre les débuts de l'aventure Peugeot, c'est d'abord comprendre la situation de la principauté du pays de Montbéliard, alors de religion luthérienne et sous dépendance des princes de Wurtemberg. Cette petite enclave dans le royaume de France ne possède ni mine de charbon, ni mine de fer. Et pourtant, elle va accueillir, dès la fin du XVIIIe siècle, les premières activités industrielles qui vont être un véritable socle pour l'industrialisation. Ce capital humain est né grâce aux ordonnances de 1560 qui exigent que chaque paroisse installe une école primaire. Ces écoles vont permettre d'éduquer une population qui saura très vite lire et compter en français. Savoir compter, c'est savoir mesurer, c'est savoir tracer, c'est savoir ajuster, c'est appréhender le progrès technique. De cette population éduquée va émerger une élite à la fois scientifique, à l'image d'un Georges Cuvier, et une élite entrepreneuriale, à l'image de la famille Japy ou de la famille Peugeot. Ces hommes vont déployer leurs premières activités manufacturières le long des petits ruisseaux, le long des cours d'eau, et s'adonner l'un à des activités d'acier laminé, l'autre à des activités d'horlogerie. Une deuxième grande période s'ouvre avec l'annexion du pays de Montbéliard par le royaume de France. En effet, les familles, les grandes familles manufacturières soutiennent cette annexion car pour elles, c'est d'abord accéder à un plus vaste marché, celui du royaume de France, mais c'est aussi bénéficier de la loi sur les brevets d'invention qui permet de protéger l'innovation. Les Peugeot comme les Japy déposeront de nombreux brevets. Jusqu'à présent, cette innovation était cadenassée par le système des corporations. Un troisième atout va jouer en faveur de l'entrepreneuriat industriel, c'est bien évidemment l'achat de la vente grâce à la vente des biens des princes qui vont permettre l'achat de vastes hectares de forêt pour le charbon de bois et l'achat de nouveaux sites sur les cours d'eau, les moulins. À partir de cette période, démarre une grande aventure industrielle.